Et donc, salut tout le monde, c'est Alexis Empire, j'espère que vous allez très bien, moi ça super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Woody Empire. Alors en ce moment c'est les étrangers qui ont fait leur apparition sur dans l'Empire. Alors là, comme vous pouvez voir, je viens de gagner plein de récompenses. Voilà. Alors, voilà, là les offres, etc. Voilà. Alors, avant ça, je vais vous montrer quelques petites attaques que je me suis faites. Voilà, 20 000. Là, 30 000, etc. Voilà, 12 000, etc. 14 000. Alors, peut-être que vous l'avez regardé juste avant, mais bon, j'ai une attaque qui revient avec 500 soldats. Vous allez vous dire que, ouais, 500 soldats, c'est peu. Mais quand même, bon. Voilà. Je vous cache pas que faire 186 000 points de gloire, je découvre en même temps que vous, 186 000 points de gloire, c'est franchement hyper bien, sachant que je n'avais que 4 vagues. Je n'avais que 4 vagues, pas 5. J'ai utilisé beaucoup, beaucoup d'engins qui font rapporter de la gloire en même temps, par exemple les tonneaux. Et justement, bah, je suis quand même assez fier d'avoir... d'avoir gagné autant en points de gloire. Alors voilà. Là, je vais vous montrer un peu où j'en suis au niveau des étrangers. Là, je suis à 300 000 points. Ça m'a fait gagner plein de récompenses, comme vous avez pu le constater. J'ai gagné tout ça directement. Voilà. Enfin, pas tout. Mais on va dire, j'ai gagné à partir de là jusqu'à là. Voilà, direct. J'ai tout gagné. Enfin, la page 3, j'ai tout gagné d'un coup. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Ça me permet de me placer 630e au niveau des étrangers. Bon, après, hein, bon, voilà, je n'ai pas fini. Hein, il me reste encore pour 3 jours. Et ça m'a permis, comme vous pouvez le voir, de gagner plein de titres. Là, j'ai été... je sais plus... Alors, attendez, j'essaie de faire une petite soustraction. Voilà, je crois que j'étais l'impitoyable, je crois... Je crois que j'étais l'impitoyable. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai gagné 180 000 points directement. Et là, je me retrouve directement l'irascible. Donc c'est franchement... Je trouve pas mal. Après, voilà, 14 000, voilà. Là, je suis bientôt l'intrépide, de toute façon. L'objectif, c'est de repasser l'intrépide, bien sûr. Alors là, c'est le concours de noblesse où, bah, voilà, où j'ai tout fini. Voilà. De toute façon, le concours de noblesse, moi, je peux pas trop espérer, vu quand même comme ça, en semaine de course, c'est un petit peu difficile. Voilà. Alors là, j'ai 2500 soldats, mais je vais tout m'envoyer sur mon avant-poste. Car c'est de là où, par toutes les attaques, c'est de là où j'ai plein de bannières. Donc c'est là où je préfère envoyer tous mes soldats. Alors là, j'ai 500 soldats qui vont revenir. Mais bon, j'avais déjà quand même pas mal de soldats là-bas. Il m'en reste assez pour refaire des attaques. Et je pense que maintenant, bah, je vais essayer d'économiser pas mal de. Enfin, pas mal, mais je vais essayer de trouver une bonne cible. Pour essayer de refaire à nouveau plein de points de gloire. Parce que cette cible-là, justement, où j'ai gagné 186 000 points de gloire dessus, avait 3200 défenseurs. Donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire quand même un nombre de points de gloire relativement haut. Alors voilà, j'ai tout et je m'envoie tout ça. Voilà. Voilà. Alors je vais vous montrer voilà, l'attaque. Alors comme vous pouvez voir, 3300 dans la course surtout. Alors j'ai pris mon meilleur commandant avec le bonus dans la cour. Là il avait 58%. Sachant que j'ai gagné ici, ça m'a fait au total 88% dans la cour. C'est ça qui m'a permis de gagner, ça j'en suis certain. Alors là, comme vous pouvez voir dans la cour, il y avait quand même 1500 piquiers vétérans. Bon ça c'est pas énorme, 650 archers non plus. Mais il avait quand même pas mal de porteurs de flammes vétérans, d'archers composites vétérans et tout. Et au final ça fait que pour 1000 soldats, j'ai réussi quand même à lui détruire 3000 de défenseurs. Donc c'est franchement pas mal, sachant que j'ai perdu à peine la moitié de mes soldats qu'il y avait dans la cour. Donc voilà, en tout cas c'est une attaque quand même où je suis assez content de moi. Ça a pu, voilà, j'ai pu piller pas mal. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal, voilà. Alors là, je respionne un étranger tranquillement. J'attends de voir franchement si je trouve pas des gros bonus. Enfin, pas des gros bonus, mais des gros étrangers, genre avec par exemple 2000 de défense, comme j'avais eu. Parce que justement, ça permet de faire beaucoup de points de gloire d'un coup. Et ça permet d'avoir plus facilement encore la pièce. Alors voilà, là j'espionne. 810, 810, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Je vais attaquer celui-là, je pense. Enfin, je vais voir si j'ai assez pour l'attaquer. Comme vous pouvez le voir, l'autre vient de revenir. Alors,
Je sais pas si j'ai assez. Je pense que j'ai assez, mais il faut que je mette beaucoup de mêlée. Ouais, allez, je vais mettre beaucoup de mêlée dans celui-là. Je vais un peu changer. Dans celui-là, je vais mettre beaucoup de mêlée. De toute façon, je pense que la mêlée, bon, voilà, je peux, parce que j'en ai quand même beaucoup. Là, je vais juste mettre la première à distance. Voilà, ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Attends, je vais regarder. Ou au pire, non, je vais faire full distance. Et sur le flanc, je vais mettre que de la mêlée. En fait, je pensais que j'allais pas avoir assez. En fait, si, je viens de remarquer que si, en fait, j'avais assez. Alors là. Voilà. Et puis, je mets les plus forts soldats à mêlée, bien évidemment. Pour. Voilà. Alors, là, on va mettre. Je préfère commencer directement pour les manteler, moi. Voilà, donc 7, 7, 7. Donc sachant que là il en a 2, donc ça fait ça, on va le mettre 4. Sachant qu'ici il n'y en a qu'un 1, ça fait 4 également. Alors ici je vais remettre les échelles. Et puis je terminerai par mettre toutes les bannières. Et puis ce sera tout. Alors je vais mettre les oriflammes, tiens, je vais pas mettre bannière du héros, je préfère les garder franchement pour des gros étrangers où il y aura plus de défenseurs que je puisse faire plus de points de gloire. Par exemple, un petit 1000-1500, là je pourrais l'envoyer. Parce que là en plus il me reste pas mal d'étendards à queue de cheval, il me reste plus de 1000. Ce qui me permet, si je veux, de faire quand même un bon résultat sur un prochain étranger qui aurait pas mal de défense. Alors là, je préfère re-regarder à nouveau si j'ai rien oublié pour pas faire de bêtises. Voilà, donc tout est bon. Moi, je lance l'attaque. 25 minutes, pouf, voilà. Alors en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et je pense que je referai une vidéo d'ici peu sur les étrangers justement pour vous montrer. Alors là, comme vous pouvez le voir, je viens de tomber sur un très très bon étranger. Je pense que je vous montrerai le résultat de l'attaque sur celui-ci dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Salut!